On va mettre en place maintenant un deuxième environnement d'expérimentation, hein, pour sensibiliser des personnes à la sécurité, cette fois sur un environnement plutôt web. Et on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus réaliste avec plusieurs serveurs qui vont interagir entre eux. Donc un environnement un petit peu classique, on a un serveur qui va servir les pages web et aussi les moteurs type PHP, hein, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et puis un serveur de base de données qui sera sur un autre serveur. Donc pour ça, on vous a donné un point de départ qu'il va falloir compléter. Donc je vais enregistrer ce fichier, ou alors je peux l'ouvrir directement avec l'Archive Manager, c'est ce que je vais faire. Voilà. Ici, je vais extraire tout ça. Hop. Allez, je vais l'extraire directement ici. Je vais regarder les éléments. Donc ici, vous avez ce qui a été extrait. Donc je vais rentrer dedans. Et puis une petite astuce que je vous montre. Simplement, vous pouvez ouvrir un terminal à cet endroit-là. Ce qui permet d'être exactement, donc là vous voyez Home qui correspond à mon répertoire, Web, WebBD. Et si je fais PWD, je regarde dans quel répertoire. Ben, comme je suis sur cette machine virtuelle où je suis l'utilisateur Vagrant, mon home c'est home slash Vagrant. Et je suis dans le sous-répertoire WebBD dans lequel je vais retrouver les répertoires BD que je retrouve ici, le répertoire HTTP que je retrouve ici. Je peux vous montrer d'ailleurs aussi, je peux aller visualiser avec cat le fichier Docker compose.yaml, mais comme pour la première manip, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Visual Studio qui va vous faciliter la tâche. Donc là, je me retrouve avec Visual Studio, mes répertoires qui sont accessibles. Alors, donc ce qu'on vous demande ici, donc ce qu'on va mettre en place, c'est le navigateur. Ben là, ça va être sur n'importe quelle machine, hein. Bon, là, on va être sur cette machine hôte. Et puis, on va lancer deux conteneurs qui vont interagir entre eux. L'un va représenter un serveur web, comme si c'était une machine à part. Et l'autre va représenter un serveur de base de données, comme si c'était une autre machine à part. Donc, ces deux machines, il va falloir les décrire et puis dire comment elles interagissent entre elles. C'est le rôle du Docker Compose. Donc, on avait vu les Dockerfiles pour créer une machine. Là, pour monter une architecture, on va le voir avec Docker Compose. Donc, avec Docker Compose, vous voyez que on va avoir au niveau des services deux services qui seront mis en place, un service web et un service BD. Le service web va être décrit et va être construit à partir du répertoire HTTP qui est ici, dans lequel ben, je vais retrouver mon Dockerfile. Et puis dans le Dockerfile, dans ce répertoire-là, il y aura d'autres choses qui vont me servir justement à la construction de ce conteneur, de cette image du conteneur. Au niveau des ports, ça on l'a déjà vu aussi, on peut rediriger un certain nombre de ports. Donc le port 80 va être du conteneur, hein, comme de cette pseudo-machine, en fait, c'est pas une machine virtuelle, hein, c'est vraiment une isolation d'un certain nombre de processus au sein d'un système de fichiers avec un certain nombre d'éléments. Et là, en jouant sur la translation d'adresses, des firewalls, etc., on va pouvoir, ce conteneur qui exposerait le port 80, l'exposer maintenant au niveau de ma machine hôte sur le port 8080. Et je vais faire un lien, donc c'est le lien finalement qui est le lien entre le serveur web et le serveur base de données. Je fais un lien vers justement l'autre élément qui est le serveur de base de données. Et là aussi, qui est décrit comment? Bah, qui est décrit à partir de la construction définie dans le répertoire BD que je retrouve ici, avec mon Dockerfile et puis un autre élément. Alors, en fait, on vous a donné déjà le point de départ pour la base de données. Donc, on va voir la description de cette machine-là. Je vais le faire très rapidement. Donc, vous voyez, on va partir d'une distribution Debian, un petit peu comme on l'avait vu tout à l'heure. On va lancer des commandes qui vont permettre d'étoffer l'image de départ avec, vu que j'ai besoin d'un serveur de base de données, je vais utiliser MariaDB, qui est un serveur de base de données assez facile à installer, et puis le client aussi pour interagir avec. Alors il y a quelques éléments, donc je vais me placer dans le répertoire TMP, je vais copier ce qui est dans ce répertoire-là vers l'image
que je vais créer, donc db.sql, alors qu'on peut regarder très rapidement, hein. C'est rien d'autre que je vais créer un utilisateur root qui va avoir accès à tout. Je vais lui donner l'accès à tous les éléments de la base de données. Je vais créer une base de données appli. Je vais utiliser cette base de données pour créer une table user avec un champ username, un champ password. Et puis c'est tout, en indiquant simplement que la clé primaire de cette base, c'est rien d'autre que le champ username, qui doit être unique évidemment. Et puis je vais insérer dans cette table une entrée qui est un utilisateur que j'appelle admin avec un mot de passe qui est 5mmsdsi. Rien de folichon, hein, et donc si on regarde dans le Dockerfile, ce fichier-là a été copié dans le répertoire TMP. Et puis, alors il y a un certain nombre de manipulations à faire pour autoriser l'accès, ben justement, de l'autre machine, puisqu'on sera sur une machine tiers. Et si vous regardez cette commande-là, ben, je démarre le serveur MariaDB, en fait, qui est rien d'autre qu'accessible par les commandes MySQL, donc service MySQL start. Donc ça, c'est toujours sur la construction, hein, de l'image. Je vais exécuter db.sql qui a été mis dans TMP et là je suis dans le répertoire en question. Je vais arrêter le service et je vais supprimer ce fichier qui m'a servi juste à initialiser la base. Alors pourquoi j'arrête le service? Parce que là je suis juste sur la construction de l'image et donc j'ai rien besoin de laisser en route, puisque une fois que l'image est construite, donc avec toute la structure de fichiers qui décrit les éléments, ben, je vais pouvoir arrêter. Je vais exposer le port 3306 qui correspond au port de MySQL MariaDB pour pouvoir avoir le serveur web qui y accède. Et puis la commande qui sera lancée lorsque je vais faire Docker Run, ça sera rien d'autre que le serveur de base de données. Donc voilà la description de ma machine qui concerne la base de données. Ce que vous avez à faire, vous, c'est la construction de votre serveur HTTP. Alors en fait, on vous a tout donné, hein. Donc si vous regardez, vous avez à créer ce Dockerfile-là. On vous a donné un fichier PHP. Alors ce fichier PHP, on pourra revenir dessus dans un deuxième temps. Mais on va construire comme on l'indique ici. Alors je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre comme modèle ce que vous avez au niveau de la base de données. Et puis je vais m'en inspirer pour l'élément en question. Donc là, je vais partir de la même distribution. Alors, si vous voulez mettre votre nom, vous mettez votre nom. Vous mettez à jour les packages qui existent. Et puis maintenant, il va falloir installer les bons packages. Donc, les bons packages, c'est Apache 2, Apache qui, je vous rappelle, est un serveur de web. PHP, c'est le moteur justement pour exécuter des scripts au niveau du serveur web. Et puis les modules de PHP qui permettent d'accéder justement à la base de données MariaDB qui accède, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, via les commandes MySQL. Je fais le ménage pour que mon image ne prenne pas trop de place. Voilà, ça j'ai fini, j'ai fait cette première étape. Deuxième étape, le fichier HTML mis par défaut sur le serveur est à supprimer. Ben, je vais lancer une commande supplémentaire, hop, qui va être. Je vais supprimer le fichier var, alors, sans le moins, var HTML, www HTML index.html, tout simplement pour que par défaut, ce ne soit pas celui-là qui soit ouvert. Je veux recopier justement le index.php à la place. Donc pour ça, on utilise copy, hein, qui va recopier depuis le système de fichiers là vers l'image. Donc là, je index.php, puisque là, je suis dans la description dans ce répertoire-là. Et je veux aller le mettre, bah, à la place justement de là où était mon fichier index.html. Donc finalement, lorsque je vais charger la page, vous aurez ce fichier qui sera existant.
Finalement, toute cette partie-là, on n'en a plus besoin. On n'a rien besoin de lancer. On veut exposer le port correspondant au serveur web qui est le port 80. Et puis la commande qu'on va lancer. Alors on peut le lancer comme ça. Alors attention. Donc soit je le lance. Je vais le lancer comme ceci. Voilà. Lancer directement entre guillemets la commande correspondante. Voilà, donc normalement j'ai fait tout le boulot pour créer cette machine-là. Alors comme c'est mis dans le sujet, si jamais vous avez des doutes, on aurait pu, je vais le faire juste pour vous montrer. Si là finalement vous me faites confiance et puis là je le fais, mais ça se trouve j'ai fait des erreurs. Donc je pourrais tester à blanc la construction de cette image en partant justement de l'image Debian. Alors je vais faire comme c'est indiqué. Donc je supprime. Donc là je vais nommer HTTP. Je me mets en mode interactif. Je prends l'utilisateur, j'endosse l'utilisateur root et puis je mets un Debian stable pour utiliser exactement la même chose, pour être exactement dans le même environnement. Et donc si je fais ça, donc là pour l'instant il ne va jamais télécharger, donc il va le télécharger une première fois hein, cette distribution. Là je me retrouve dans le conteneur en question. Et puis ben, ce que je peux faire, c'est effectivement faire des tests, genre apt-get-update, est-ce que c'est une commande qui connaît? Ouais, ça a l'air de marcher. Les dépôts vers les packages sont bien accessibles, donc là c'est parfait. Est-ce que apt-get moins y, donc ça c'est pour accepter tout ce qu'il me propose, install. Apache 2, ça va bien installer les différents éléments. Est-ce que c'est bien des packages qui existent? Donc là, on va voir. Alors, si jamais ça n'avait pas été des packages qui existaient, il aurait fallu faire un apt search et puis chercher parce que c'est suivant la distribution, ça peut, les noms peuvent changer. Donc là, j'ai mâché le travail pour vous. Donc ça, finalement, ça va bien marcher. Donc là, normalement, j'ai bien le serveur qui va être installé. Et donc, ce que je vais pouvoir vérifier, c'est si je fais localhost 8080, puisque c'est ce que j'avais fait au départ. J'ai rien pour l'instant, c'est normal, puisque j'ai pas démarré le serveur. Normalement, quand je vais le démarrer, ça va être ça. Rendez. Voilà, donc on est bien, et ça c'est la page qui est mise par défaut sur c'est l'index.html, l'index.html que je proposais de virer derrière, etc., et de remplacer par index.php. Donc là c'était juste pour vous montrer que avant de faire le Dockerfile, on peut éventuellement au sein d'un Docker qui se base sur l'image de départ, tester les commandes pour s'assurer que on n'a pas fait d'erreur. Et s'il y a des erreurs, bah, éventuellement on peut revenir dessus. Donc je vais maintenant me placer dans le répertoire WebDB, voilà, qui est le répertoire dans lequel je vais avoir mon Docker Compose. Donc je reviens sur les éléments, donc avec Docker Compose, la syntaxe est Docker Compose build. Donc ça va construire normalement toutes les images associées à toutes les conteneurs que je veux démarrer lorsque je vais faire Docker Compose up. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train plutôt, on a vu du MariaDB ici, il est en train de construire l'image pour la partie BD. Et puis bah là, il a fini, puisque maintenant il est plutôt sur les aspects de la construction d'image sur le serveur web. Voilà, là on voit, il est en train d'installer des choses au niveau de PHP. Donc là, il est en train de faire hein, un système de fichiers dédié pour ces deux machines. Donc là, ça va, vous voyez, relativement vite. Voilà, il y a 4 sur 7, 7 sur 7, voilà, j'ai les deux machines. Donc d'ailleurs, si je fais Docker
images. Je peux lister toutes les machines, toutes les images qui ont été construites. Et là, on voit bien les deux images qui ont été construites dans le cadre de Docker Compose avec WebBD qui est le répertoire qui est là. Et puis la partie web qui est ici et la partie BD qui est ici. Alors web et BD, c'est pas le nom des répertoires, mais c'est plutôt les noms de ce que vous trouvez dans le Docker Compose. Donc il me reste plus qu'à démarrer cet environnement qui va démarrer finalement ces deux conteneurs. Et là vous voyez que bien là visiblement il a démarré la partie base de données, il a démarré la partie web. Et si je regarde, vous avez maintenant sur localhost 8080, hein, puisque c'est pas le port 80, puisqu'on a redirigé le port 80 du serveur HTTP vers 8080. Je vais. Alors, oui, justement, donc là, il y a eu une erreur. Je me suis trompé probablement au niveau de l'image de HTTP, donc ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Pour ça, je peux éventuellement, je vais arrêter les deux machines. Il me dit que la commande qui est ici n'existe pas. Je vais, du coup, quand je vais regarder sur Docker Image, je vois que c'est cette image-là. Je vais voir, là, je vais démarrer un conteneur à partir de cette image. Ouais. Et puis, je vais mettre, lancer l'interpréteur de commande page. Donc, le nom, c'est pas celui-là. Hein. Le nom, il faut que j'utilise. Le son identifiant, voilà, je suis dessus. Et donc, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait USR SBIN Apache STL. Connaissais pas. Là, ça a l'air de fonctionner. Alors, est-ce que j'ai fait une faute? Probablement. On va essayer. Voilà, donc vous allez voir que ça va aller assez vite de reconstruire puisqu'il y a juste cette commande de départ qui change. Hop. Donc c'est quasiment instantané. Je réessaye. Docker Compose up. Donc quand j'avais fait CTRL C, ça avait arrêté. Voilà. Et donc là, visiblement, je m'étais trompé probablement. Voilà. Et là, j'ai bien mon serveur qui est accessible. Donc je retrouve la page qui est ici, qui me demande mon identifiant, mon mot de passe. Et puis, en fait, il y a plein d'erreurs de sécurité hein, à ce niveau-là. C'est des failles, notamment des injections SQL. C'est-à-dire que si vous regardez, on va construire une requête select from user, where username est égal, alors normalement, on avait admin, hein, qui était le mot de passe, a priori, on ne le connaît pas. Et si je mets là j'ai mis RRR là il reste ici. Si je fais admin et je mets un code et puis je mets n'importe quoi, en fait vous voyez qu'il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Si vous regardez, il m'a dit en plus ce qui se passe. Et en fait en mettant ma cote, j'ai fermé la cote de la requête SQL et puis après ben là la requête SQL est mal formée et donc il me met une erreur. Donc ça c'est un signe qui permet de savoir que oh, il y a probablement une injection SQL qui est possible. Si vous regardez bien, finalement si j'arrêtais ma requête là, j'ai plus besoin de mot de passe.
Donc si je fais admin, cut, et puis je mets un point virgule, et puis les commentaires au niveau SQL, c'est moins moi. Et bien voilà, j'ai réussi à outrepasser la vérification d'identité. Et puis, ben, je peux aller beaucoup plus loin, je peux éventuellement changer la base de données, etc. Donc là, j'ai accès à une page qui est normalement secrète, accessible que à l'administrateur, à celui qui peut se connecter. Donc voilà, et après vous pouvez jouer un peu plus loin pour essayer d'autres choses. Alors je vais faire un déni de service, par exemple. Je vais pouvoir faire un drop table user, par exemple. Et là, si j'essaye de revenir ici, que j'essaye de faire n'importe quoi, il y a une erreur tout simplement parce que la table user n'existe plus, c'est-à-dire que j'ai été jusqu'à modifier la base de données. Alors avec ça, je peux aller créer des utilisateurs, je peux faire vraiment plein de choses. Et c'est une des failles très très classiques que vous trouvez au niveau du web, ce qui s'appelle les injections SQL.